Et pendant que tout le monde travaille là-dessus, les informaticiens, ils vont exploser le game. Aujourd'hui, quand tu regardes un ordinateur, la conception d'un ordinateur, et tu distingues bien le monde de la matière du monde de l'esprit. Tu distingues bien le hardware du software. Le software, tu ne peux pas le palper, tu ne peux pas le toucher. Et la conscience qui est un processus mécanique, qui rend compte de ce qui se trouve entre les objets, l'interaction entre les objets du monde, les objets étant palpés par les sens, la conscience, elle met du sens au niveau des interactions, des causes et des effets. Et c'est son processus, moi perso, j'en définis 4 grands, après on peut toujours discuter, mais il y a le reconnaître, qui rend compte du travail sur les mémoires, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'essence t'envoie de l'information, c'est comparé avec les mémoires qui existent déjà, donc c'est un énorme travail qui est fulgurant. Tout ce qui est perçu est comparé avec les mémoires qui existent déjà. C'est pour ça qu'on sait, qu'on ne sait pas, quand il n'y a pas quelque chose qui est en mémoire. Mais y a ce un qu'on autre appelle processus. L'analogie. Ouais. D'accord. Il y a un autre processus qui est véritablement comprendre, et se comprendre, il se pose dans les causes et les effets. Tu peux avoir l'image de l'arbre, de la pomme, du soleil, mais le cycle des saisons, c'est pas les images à chaque instant. C'est un ensemble de mémages, de remémores et de concepts qui se mettent en place et d'interactions entre ces objets. Et le rapport au réel, il est pas exclusivement. Les sens jouent leur part, évidemment.
Mais au niveau conceptuel, c'est la dernière couche. Et il faut les deux, en fait. Ouais. Et à l'école, si tu veux reparler d'ingénierie sociale, à l'école, ils en sont à déstructurer le mode de fonctionnement de la conscience. Vas-y, sois explicite, développe ça, ça m'intéresse. La conscience, elle fonctionne sans intention. Le phénomène Eureka, c'est que tu as vu, alors que tu avais abandonné l'idée de mettre du sens, la conscience, elle a mis du sens toute seule, et d'un seul coup, la réponse t'apparaît. C'est bien que la conscience travaille, continue à mettre de l'ordre sur les questionnements en tâche de fond. Et donc, sans intention. Il suffit qu'il reste des questions en conscience, la conscience va continuer à mûrir pendant que tu fais la vaisselle, pendant que tu dors, pendant tout et n'importe quoi, elle continue, c'est son job de fabriquer du sens, des causes et des effets, du concept. Donc, alors attends, je me suis perdu, je disais quoi? Oui, c'est son job et il n'y a pas d'intention. À l'école, on nous apprend très petit à mettre de l'intention. Pour comprendre, pour voir. Plus ça va, plus on instaure des méthodologies. Il y a toujours une méthode, un parcours pour arriver à. Ça veut dire que la conscience qui est encore en pleine maturation, l'enfant ne demande même pas encore pourquoi papa. C'est même pas encore arrivé la cascade de pourquoi papa, qui marque véritablement une maturation de la conscience. Parce qu'elle cherche les causes et les effets dans le pourquoi. En amont de tout ça, on force déjà la conscience de l'enfant qui est en pleine maturation, qui n'a pas fini d'être fabriqué, à forcer des chemins pour mettre du sens. Ouais. On y injecte de l'intention, on le force à mettre de l'intention. Alors qu'elle fonctionne sans intention et qu'elle n'est même pas encore mature. Mmh. C'est ignoble. On a Léo Pardemer qui nous dit « L'ingénierie sociale consiste à entrer en relation avec un individu dans le but de lui soutirer des informations confidentielles à des fins frauduleuses. » Alors, non. Non. Je vais te donner ma définition, Léo Pardemer. L'ingénierie sociale consiste à faire intégrer des croyances dans une société dans le but qu'elle consente à une autorité à des fins d'organisation sociale. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir une ingénierie sociale positive. Et le cinquième point, c'est aussi une trahison qui est à étudier et qui est un point d'observation pour justement être attentif et ne pas trahir la spiritualité bien comprise, c'est la trahison historique vis-à-vis des prophètes, d'une manière générale, de toutes les cultures, de toutes les religions qui ont été dans la voie droite, pour cause de pouvoir politique centraliste. Hein, c'est l'idée que le message originel, en tout cas, a été dévoyé par les organisations qui visaient à centraliser le pouvoir politique. Et cette centralité du pouvoir politique des anciennes ingénieries sociales a nuit à la persistance du message et à sa soutenabilité en tant qu'ingénierie sociale, mais surtout en tant que voie spirituelle. En gros, pour simplifier les choses, c'est l'aspect spirituel qui n'a pas été suffisamment développé, et quand il l'a été, c'était à mauvais escient, ou souvent à mauvais escient, et on s'est tous égarés, soit par la spiritualité, soit par la religion, nanana. Soit par notre constitution d'animal, voilà. Tout simplement, et est-ce que ça a conditionné, duquel il va falloir qu'on se détache pour devenir des hommes sapiens spiritus. Toi, tu voudrais développer ce que tu penses avoir compris, ta vision de la spiritualité, mais vu par ton prisme à toi. C'est ça, de philosophie socio-spirituelle. Je ne pense pas que tu sois le seul, hein, parce que instinctivement parlant, je vois de quoi tu parles et ça m'a déjà effleuré moi aussi. Mm-hmm. Tu es beaucoup plus doué que moi pour l'exprimer.
Ça apparaît un peu obscur comme ça, mais pour ceux qui ont suivi le cursus de la chaîne, je pense que c'est assez clair. C'est intéressant, hein, parce que pouvoir hériter des valeurs. C'est quelque chose que j'entrevoyais déjà de mon côté, mais qui est pas obscur, mais pas complexe non plus, mais totalement différent. C'est-à-dire que là, tu parles spirituellement un tout autre langage. Ouais. Tu vois ? Bon, bah écoute, j'écouterai avec attention. Et ouais. C'est pas être gourou, juste partager un cheminement. Voilà. Intellectuel, après, ça déjà, parle ou ça parle pas. D'autres personnes sont peut-être déjà sur ce chemin. Enfin bref, il n'y a pas de volonté de ta part de chercher à convaincre quiconque. C'est juste que toi, tu en es là. Oui. D'accord. Oui, j'en suis venu à ces conclusions et je pense qu'elles seront partagées par ceux qui sont dans la sincérité spirituelle parce que ça apparaît, je pense que c'est arrivé à son point de maturité chez nous deux à maintenant, mais que pour certains, c'est déjà là depuis très longtemps. Ça me gêne de qualifier ça de sincérité spirituelle parce que ça voudrait dire que les autres sont insincères, ce qui n'est pas vrai pour la plupart des gens. Ils ont pu s'égarer comme nous, on s'égarait aussi sur certains chemins. Oui, tu sans vois, doute. C'est ce jugement-là qui est un peu. Je pense que c'est pas qu'ils sont insincères, c'est qu'ils ne sont pas encore parvenus au point de maturité de ces idées. Mais là, on se prévaut d'être nous y être parvenus. Bah, ça me dérange aussi. Ces idées-là, en tout cas, sont assez mûres dans notre tête, mais ça ne veut pas dire qu'on a atteint la maturité spirituelle d'une manière générale. Voilà. Cela dit. Ce que tu dis, est, alors avec un vocabulaire et une approche assez différente, et si je peux me permettre de citer une autre chaîne, développée sur la chaîne immédiate par celui qui anime la chaîne, Laurent. Il a une vision extrêmement, pareil, entre guillemets, qu'on pourrait qualifier de différente, pour ne pas dire évoluée, parce que ça c'est méprisant pour d'autres personnes, tu vois, ça c'est très gênant. Et alors moi, par contre, là, je suis totalement raccord avec la façon qu'il perçoit. Parce que c'est plus du domaine de la perception que de la réflexion. L'osmose, c'est quelque chose d'assez cool, finalement, d'assez tranquille, d'assez... même, j'ai envie de dire pépère, quoi. C'est le thème du cœur vivant, du cœur malade et du cœur mort. Alors, dans cette réflexion, je me suis mis à discuter, justement, avec Sylvie Coccinelle tout à l'heure, pour essayer d'avoir une approche plus universelle de cette question. Et donc, nourrie de la réflexion qu'on a eue ensemble, j'ai essayé de vous proposer cette réflexion de spiritualité sur donc, le cœur vivant, le cœur malade et le cœur mort. Alors, le critère sans doute le plus important n'est même pas la foi dans la question. Le critère serait plutôt le critère de la justesse. C'est-à-dire de comment on est aligné en soi. Je pense que nous venons avec un bagage qui n'est pas que génétique, qui est aussi culturel, qui est aussi le fruit d'une expérience de vie. Et de cette expérience de vie, on va avoir des tendances qui vont se dégager, des tendances qui se dégagent et qui illustrent finalement notre orientation. Et cette orientation peut être de deux sortes. Elle peut être sollicitée par le désir de se faire bien voir, le désir d'être bien avec soi-même et le désir d'être dans un processus positif. Pour certaines personnes, être dans un processus positif et être bien avec soi-même, c'est la même chose. Pour d'autres personnes, être bien vu d'un point de vue social et être bien avec soi-même, c'est la même chose. Selon l'interprétation qu'on va avoir du bien souverain en nous, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans un bien fondé sur l'ego, dans un bien fondé sur le groupe, dans un bien fondé sur la justesse, c'est-à-dire un bon équilibre et une bonne apparenté entre son propre bien et le bien de l'autre, eh bien, dans la façon dont on va trouver l'attitude juste dans le comportement, on va avoir une orientation qui sera plus, du coup,
tourner vers tel ou tel. Et alors toi tu dis amiable, l'âme est de trois sortes, une âme qui incite au mal, une âme qui ne cesse de se faire des reproches et une âme apaisée. Alors je vais essayer de prendre la chose avec un angle science sociale. Et cet angle science sociale, ça va être l'exemple de la dissonance cognitive. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expérience. On vous montre trois bâtons de tailles différentes, un plus grand, un plus petit et un moyen. Et on interroge une salle de 100 personnes. On met les cobayes à la fin et au début, on met les complices. Et les complices commencent par dire bah, les trois bâtons sont de la même taille. Et puis après, on mesure le comportement des cobayes qui arrivent à la fin, en bout de course, et qui, pendant que les gens vont avoir dit « mais non, non, tout le monde va dire les bâtons sont de la même taille », donc que vont faire les gens qui arrivent en bout de course? Soit ils vont taire la vérité, soit ils vont tellement se remettre en question que finalement, eh bien, ils vont sursoir à la réponse comme quoi les trois bâtons sont de taille égal. Alors, ça signifie que il y a eu une dissonance sociale, et cette dissonance sociale a été résolue par l'acceptation, l'intégration, l'assimilation à cette dissonance sociale. Et pour la réduire, on crée une dissonance cognitive entre le discours et la pensée. Ou bien on essaye carrément de refaçonner sa pensée. En se disant « non mais j'ai eu une hallucination, il y a un problème, je vois pas bien, etc. » Mais on voit que nous avons une forte faculté à nier le réel qui nous est présenté par l'expérience pour résoudre une dissonance sociale. Alors quand la dissonance est sociale et que la société manifeste un désir destructif, eh bien, la majorité des gens qui vient après coup, hein, qui ne fait pas partie des décideurs de cette destruction, va opter pour cette destruction parce que sinon ils vont se sentir exclus. Ils vont peut-être même être effectivement exclus. Et là, on le voit dans l'actualité avec ces œuvres de guerre et on voit à quel point c'est contradictoire avec le bon sens et le bien vivre et le côté bon vivant de notre culture. Et pourtant, beaucoup vont adhérer à cette violence. Alors, bien sûr, c'est une acceptation qui est une acceptation sociale, c'est une acceptation qui est un suivisme en quelque sorte social, mais qui est bien là. Alors, il y a quand même le cœur saint, le cœur vivant, qui lui identifie le problème de la guerre, identifie le problème de la violence, des trois bâtons qui ne sont pas de la même taille. Il sait ce qui est vrai et ce qui est faux. Et le cœur vivant n'aura pas peur de dire, même si il rentre en conflit avec le social, que lui, il est ajusté pour être aligné quand son bien-être personnel correspond à un bien-être, je dirais, orienté vers le bien souverain. Et donc le bien souverain, de cette manière-là, correspond à son sacré, en quelque sorte. Hein, comment il prête attention à ce qui se passe dans ce bien souverain, et ce que ce bien souverain signifie, évoque, rend compte en ce qui concerne les faits, les actes, les événements de l'instant présent. Donc, il existe donc trois types de comportements. Un comportement qui est « je suis » et parce que je suis, je m'inscris dans le bien-vivre, parce que si je suis, c'est que je suis vivant. Donc si je suis vivant, ça veut dire que ce qui est en face de moi, c'est du vivant aussi. Et donc le bien-vivre, ça va être d'être en accord avec tout ça, ça va être de se mettre en accord, en harmonie avec tout ça. Et alors l'étape suivante, ça va être donc d'être dans cette idée du bien souverain, ajusté avec soi-même. Et puis, il va y avoir le cœur malade. Et le cœur malade, lui, il va dire quoi? Il va dire, je sais pas trop. Alors, il est dans ce qu'on appelle l'anomie, la non-gestion de soi.
Et ce cœur malade, dans la non-gestion de soi, peut être amené, comme on l'a vu avec l'exemple de la dissonance sociale, à essayer de résoudre son problème de doute en se mettant derrière les prescriptions du social, les prescriptions de la société, de l'environnement, de l'entourage, de tout ça. Et donc il va répéter, réitérer les mêmes propos, les mêmes avis, les mêmes opinions, les mêmes arguments que ce qu'il aura entendu autour de lui. Et donc on va voir qu'à ce moment-là, eh bien, il est dans une démarche de relationnel, comme on dit. Hein? Donc dans une démarche de marketing social. Il fait le marketing de sa propre personne. Et puis ensuite, on a le troisième côté, le cœur mort, qui est carrément dans un processus destructif. Pour lui, le social veut détruire quelque chose, donc il va attaquer une opinion, il va attaquer un argument, il va chercher à démonter le parti qu'il a en face de lui. Donc il est dans le conflit culturel, dans le conflit d'opinion, dans le conflit cognitif, dans le conflit social. Et donc on voit clairement, par ce fait, que son travail est un travail de destruction, hein, pour peut-être une reconstruction autre, mais à la limite, il aura quand même attaqué et agressé un autre point de vue, une autre personne même, à travers ce point de vue. Parce qu'on peut dire, oui, mais je n'attaque pas la personne, mais les idées. Je sais à quel point une personne peut être blessée quand on attaque ses idées. Que ce soit moi-même ou que ce soit vous, il nous arrive de ne pas du tout nous entendre et il faut rompre là la conversation parce que sinon on s'en sortirait jamais. Parce que certains arguments se présentent comme étant « Oui, mais alors tu as étiqueté que tu étais de telle identité, donc tu dois croire ça. Et si tu crois ça, ben prends cet argument contre toi. » Et oui, mais peut-être que non, moi j'ai pas envie parce que j'ai pas décidé de m'identifier de cette manière-là, ou peut-être que j'ai pas décidé de m'identifier du tout, mais que toi tu m'as identifié comme ça, que toi tu as interprété et compris les choses comme ça, que toi tu ne veux pas entendre, donc moi je n'ai pas à t'écouter. Et ça, c'est le fait d'être aligné dans sa justesse entre soi-même et son bien souverain. Et c'est tout à fait normal. Donc vous voyez, l'œuvre de destruction est plus souvent une œuvre qui est un programme du social qui s'inscrit dans la volonté d'un marketing social, d'un relationnel social, dans ce qu'on appelle une stratégie agressive, hein, mais le terme est bien choisi en la matière, que autre chose. On a donc un cœur ordonné, je dirais, un cœur qui écoute, c'est-à-dire que la spiritualité ou la pensée, on va dire la pensée n'émane pas d'un argumentaire construit par le mental mais du cœur, et donc il n'a pas à se justifier par un débat, il n'a pas à se justifier auprès des autres, il ne cherche pas à, comme dit ma chérie, à nous vendre quelque chose, hein, il est simplement vivant de plein de beauté et souhaite le bien. Le cœur malade est un cœur anomique, est un cœur doutant, mais doutant de quoi? De lui-même. C'est un cœur qui a été blessé également, donc qui se positionne en fonction de ses blessures et non plus en fonction du bien souverain et de la raison du cœur. Et là, on dira que ce sont des justifications, hein, se complaire dans sa maladie, etc. Et puis ensuite, on a le cœur mort, qui est en réalité non pas une personne morte, ni un cœur physiquement mort, mais un cœur qui ne bat plus la mesure de la vie, un cœur qui mesure la mort, qui mesure le destructif, qui mesure le mal. Hein, on l'a dit, le bien étant une notion qu'on peut attribuer à tout ce qui nourrit et multiplie le vivant, et le mal, tout ce qui le détériore et le détruit. Donc on est bien avec le cœur mort dans la perspective d'un alignement sur le mal,